Je ne peux pas t'aider Toulouse là-dessus. J'ai pas le droit de t'aider là-dessus. Ou tu te débrouilles tout seul. Ça fait combien d'argent au total? Cette étape j'avais 270. Quoi? Vraiment? Bon, fait, bon, bah moi j'ai plus rien, moi je suis broke as fuck hein. Bon, du coup on va avoir un truc qui s'appelle le radar Galis. J'aimerais savoir ce que c'est du coup. Bon, j'ai combien de pognon moi? Je suis un bon, on voit ça. Dans le sac? J'ai 29 000. Oh, je suis pas loin de toi quoi. Oh, je suis pas loin, ouais. Ouais. Ouais, franchement, je suis pas loin quoi. Bon. Bonjour. Palpant soleil, j'étais si heureuse d'apprendre que mon trésor était en vie. Je sais qu'elle a fait des choses terribles, mais ça reste mon petit rayon de soleil. Ça va. Bon. Bah, du coup, il me reste plein de quêtes secondaires à faire. J'en ai aucune à rendre ici, je crois. J'ai beaucoup de choses à visiter ici, par contre, évidemment. Enfin, j'en ai dans la grotte là, évidemment. Bah, Eina, du coup, elle est pas ici. Eina, elle est. Bah, avec la quête secondaire, elle est encore à Properton. Mais du coup, ouais, il va falloir que je me balade un petit peu. Et donc, on va pouvoir commencer enfin ce 100% et ça fait trop plaisir en vrai. Alors, moi, je pense pas que j'utiliserai l'hôtel de vente. Je sais pas. Peut-être si vraiment, tu sais, j'arrive pas à... Oula, attends. Peut-être si vraiment j'arrive pas à trouver un truc précis et que ça me gave et que je me dis bon bah vas-y, fuck it, on y va. Mais non, en vrai, je vais essayer de la faire sans. Après, je peux utiliser l'hôtel de vente si je veux avoir des temtems que j'ai pas, par exemple, mais bon, parce que c'est vraiment d'intérêt. Ça marche, Matex. Ah, la liberté! La liberté, bordel. Ah. J'ai attendu ce moment pendant si longtemps. Le branding est pas rentable, je trouve. Ouais, mais c'est pour avoir le hasard du... Ce qui est intéressant dans le breeding, c'est le hasard. Si le hasard t'intéresse pas, oui, ça vaut pas le coup de le faire, mais... T'as déjà fait tes collages. Bah, j'ai pas tout... Je sais pas tous, mais j'en ai fait pas mal, oui. J'ai déjà fait pas mal, oui. Après, j'ai pas mal de quêtes à rendre. Donc en vrai, je me demande si je devrais pas partir rendre les quêtes. Parce que, par exemple, le radar Galis, par exemple. Je sais pas trop ce que c'est, je ne veux pas me faire spoil, hein, mais... Radar Galis, c'est soit tu l'as quand t'as affronté tous les archidresseurs, soit c'est une récompense de quête. Donc une récompense d'archidresseur, ça m'étonnerait pas trop, en vrai. Ouais, mais ça fait partie du truc, level 5, ça fait partie du truc. Ouais, pour moi, ça fait partie du truc, donc c'est normal de... C'est normal pour moi, je trouve. T'as pas encore le téléporteur. Bah non. Mais du coup, je savais pas que ça existait, donc attention au spoil. Ah, bien sûr, level 5, bien sûr. Sûr. Est-ce que vu que je suis là, je ferai pas la petite quête là-dedans? Parce qu'il faut que, ici, là-dedans, faut que je capture Aosehara. On va sûrement aller faire ça. Je vais passer me heal à Briscal Demar. Et ensuite, on voit. Il me semble pas qu'il était... Enfin, il y en a deux qui sont uniques, je crois. Mais sinon, je crois que c'est le temtem légendaire. En tout cas, s'il y en a, je suis pas encore au courant, mais... Ça, après, c'est un autre truc. Après, ce qu'il y a au Side Park, ça m'intéresse pas trop, du coup. Ce qui est dommage, parce que du coup, c'est des temtem... c'est du x4, c'est du x4 cette semaine. Mais du coup, je suppose que ça alterne. Enfin, genre que une semaine c'est Temtem Luma x4. Et la semaine d'après, c'est des Temtem mais avec des bonnes stats quoi. Ça semblerait logique.
C'est ça, ouais, ça m'étonne pas. C'est pour avoir une alternance, ouais. Bonjour, vous avez utilisé une station de Temtem ? Évidemment. Est-ce que j'ai des choses dans mon coffre ? Non. Du coup... En fait, il y a plein de quêtes que j'ai envie de faire. Par exemple, notamment, il y a la quête où il faut parler au gars qui gère le dirigeable, parce que du coup, c'est lui qui peut réparer les stickers, par exemple. Il y a plein de quêtes que j'ai envie de terminer, genre. Et d'abord, allons chercher un dossard. Comme ça, au moins, on l'aura fait. On sera content. Et d'ailleurs, vu que j'ai une quête hebdomadaire, il faut que je tabasse des Temtem. Go tabasser les Temtem qu'on croise. J'en ai fait depuis 16h, bah on a terminé le jeu. On a terminé l'histoire. Donc là maintenant on a toutes les quêtes secondaires à faire. Oh la puissance dès que j'arrive. Hop là. C'est vraiment pas rentable comme truc mais bon. J'ai une mission, j'ai une quête hebdomadaire où il faut que je tabasse des mobs, j'y peux rien moi. Vous savez pas que oui, c'est les mêmes pour tout le monde, oui. Un Pyuki. Hop là. Point, 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 point. Donc là-dedans, il faut que je trouve un Oceara et faut que je grimpe quelques trucs. Notamment, faut que je grimpe en bas ici. Ah, je peux pas grimper. Faut que je grimpe sur le côté. Non plus. Ah non, c'est pour descendre juste, d'accord. Je sais qu'on pouvait grimper. C'est ça que si sur la carte, ça ne marque pas que tu peux grimper si tu peux pas grimper. Ça casse détail. J'avais ramassé tout sur la glace. Tu vois, il y a celui-là par exemple. Et je crois que... Il me semble que c'est un légendaire. Enfin, ou en tout cas, c'est un truc unique. Salut mes quick. Il me semble pas l'avoir vu souvent et... Très souvent, les mecs qui l'avaient, c'était des... C'était des gars qui étaient loin, quoi. Enfin, qui... Tu sens qu'ils étaient loin, quoi. C'est pas des mecs qui lèvent au début du jeu, quoi. Oui, Wishman, oui, j'ai vu. Mais les deux m'intéressent pas du tout. Les deux m'intéressent vraiment que dalle. Peut-être Shaolin, enfin, ouais, Shaolin, machin, parce qu'il a une évolution, c'est cool, mais bon. Les deux m'intéressent pas du tout. Pour la collecte des Luma, pourquoi pas, mais bon. Je sais que j'ai pas mal de choses encore à faire, donc. Autant qu'on fasse ça dans l'ordre quoi. Oh le Taïn. Nice. Et y'a rien à ramasser ici pour moi. Non. Alors on est parti sur du full farm et explo à 100%, ouais. Là on est vraiment en full chill, ça y est. Je vais peut-être changer le titre du live du coup. Pour retirer du coup fin d'histoire maintenant. Hop, on peut mettre du coup. Tac. Tac, voilà. Ça, c'est du titre pro, ça. Ça, c'est du titre pro, ça. Temtem grind 100%. Ah, on est bon, là. C'est les Vasgas. Alors, par ici. Ah non, par ici, c'est ça, ouais, c'est vrai. Du coup, on peut avoir des Oceanara ici. Ça le bail. Oh. Ah là c'est du full papillonnage. Ouais. Ah je l'ai pas chopé lui d'ailleurs. Parce que j'y pense, je lui pète la gueule, mais peut-être que je chope. Pour la collecte. Enfin pour le. Pas pour le. Pour le TMTDX aussi, hein.
Allez. Oh. Pap, 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 ouais. Hop là. Pardon. On s'attend parce que je peux pas vraiment leur faire beaucoup de dégâts. Mais on y croit. On y croit, on a un stock, on en balance. On va en balancer autant qu'il faut. Bah les couilles. C'est bon. N'inquiétez pas, c'est bon. Hop là! Bon, je l'avais pas celui-là. Let's go. Plus 1. Ok. Oui, c'est une quête. Oui, c'est une quête, ce jeu. Mais est-ce que j'ai envie de la faire maintenant? Je sais pas. Bref, si je suis là, autant le faire, quoi. Ah bon, je fais rien spécial avec la commu sur Minecraft, donc bah... Dans la logique, je te répondrai que non. Hein. Malheureusement, en haut, c'est pas si simple, hein, malheureusement. C'est pas si simple, tout ça. Hop là, tac. Bon, y a pas vraiment de Océanara là-dedans. Hein. Je sens une arnaque. Hein. Je sens une arnaque quand même. Hein. Mais je vais aller à l'endroit où il y avait des Océanara avant. Bien. Et là, on va grimper et on va voir si je peux tenir le truc là-haut. Il peut y en avoir ici ou pas du coup? La reine est parmi nous, voyageurs. Nous honorons ici la reine de l'abysse, la force vitale de l'eau, la source de l'origine de toutes choses, la gardienne de sources sacrées. Ah bon, je peux toujours pas alors apparemment. Vous n'êtes pas encore prêt, ok. Bah, toujours pas prêt. C'est pas un truc que je peux faire alors. Attention, ah, si, on peut en avoir ici du coup? Ok. Bah écoutez, c'est pour la quête, hein. C'est juste pour une quête, hein. Ah moi j'ai envie de visiter le reste de la grotte, donc au pire on va se balader. Au pire, on retrouvera la zone qu'il y avait avant où tu pouvais avoir des Océanara aussi. Si je suis dans la grotte, autant que je fouille maintenant, quoi. Ah putain, mais c'est là que tu peux aller dans ces zones là. D'accord. Moi, je voulais fouiller ici aussi, c'est bien. Ah, ok. Salut, vous avez dans le regard un éclat pourpre au plus grand ferveur de ma soeur, ouais. Ah, niveau 25, les pauvres. En même temps, c'est une zone qu'on aurait dû fouiller pendant l'histoire, mais bon. Je préfère rush l'histoire et ensuite je vais visiter le reste. Je suis pas vraiment du genre à aller fouiller le reste pendant qu'on fait l'histoire. Hop là. Incroyable, c'est la première fois que je perds en utilisant mes petits potes aquatiques. Bon, t'as pas vu beaucoup de monde à l'avant. Ah, encore? Mais ça à foutre? Oh salut, je m'attendais pas à tomber sur quelqu'un dans le coin, peut-être, pour être honnête. Elle part dessus la tête d'affronter ces fanatiques de Totem O. D'accord. Oh, un cannabis, waouh! Oh, ça joue ici, hein. Ça joue, hein. Allez, dégage, hop, allez. Oh, il a résisté, il est trop fort.
Ah ça, ça quoi là. Alors en soi cette zone tu vois on aurait pu y aller. Si on avait... Si on avait cherché un peu plus on aurait pu y aller. Parce qu'en vrai c'était pas si dur d'y aller. Mais bon. Flemme. Flemme, moi je voulais terminer l'histoire. Ah j'étais presque, j'aurais dû utiliser nos tactiques. Bah avoir plus de temtem déjà ça peut t'aider parce qu'en avoir un seul c'est un peu compliqué. Hein. D'accord donc en fait ici il y a des dresseurs mais ça sert à rien quoi. D'accord. Et si on va là-bas du coup il y a quoi? C'est insupportable. Wouah tu viens de là et tu fais comme si tu étais rien du tout, affronte-moi s'il te plaît. Ok. Si tu veux. Si tu veux, si tu veux. Mais tu vas être déçu hein. Nah ouais mais écoute, ça... moi je comprends plus rien. Hein. Tu sais il râle mais bon. On comprend plus hein. Voilà. Ça dégage. Oh niveau 87, god damn. Je n'avais pas la moindre chance, pas vrai? Bah, vu le niveau de mes temtem, oui, hein. Bah oui, hein. Parce que vous branlez là avec vos temtem niveau 25, mais bon. Ah, là. Hors fil. Ok, nice. Bonjour. Excellent, voilà un peu de compétition. Donc, attends, le mec a un short, une chemise hawaïenne, mais il a des gigabots. Il y a un problème de style, non? Salut Sanders. Ah non c'est pas un short, c'est un pantalon, ok. C'est un pantalon qui est dans les bottes. C'est vrai que les combats du coup on manque un peu de saveur hein, parce que forcément les miens sont niveau 85-95 et en face ils sont niveau 20 quoi. Donc bon. Oui ça manque un peu de saveur c'est sûr. Du coup je me tâte, je pense que je vais d'abord focus les quêtes secondaires. Parce que je me dis qu'avec les quêtes secondaires on peut sûrement avoir des items pas mal pour des trucs. Et ensuite je ferai le temtem pédi à 100% je pense. Le temps pédi. Mélange de temtem et encyclopédie. Eh c'est mon coin. Bon j'imagine qu'il va y en avoir suffisamment pour nous deux. Je vais chercher temtem. Madame, non, pourquoi je suis chasseuse de trésors? C'est fou tout ce que les touristes peuvent laisser traîner derrière eux. Mais bon, mon rêve, ce serait quand même de tomber sur des antiques reliques de temps en temps. Enfin, de temps des rois, quoi. Madame, ok. Bonne chance. Merci à toi aussi, l'ami. Ok. Ça, d'accord. Oh là, intérêt du PNJ, zéro. Bonjour. Non, j'ai pas vu ton revigorant ni autres. Ni autres trucs. Enfin. Facundo, débrouille-toi tout seul pour les trouver. Alors, il te plaît le parfum que je t'ai acheté, Azra? Fiche-moi là, oh putain. Alors, un petit parfum, il te plaît? Envigorant. Et parfum, du coup? Ah, la fragrance, ouais, logique. Ouais. C'est RP, en vrai. En vrai, c'est RP. Et allez, ils sont encore partis se disputer. Cet endroit pourrait être le meilleur coin de tout Denise s'il n'y avait pas ces deux-là. Qui ça? Et bien Facundo et Azra, évidemment. Non, mais vous entendez pas, machin. Alors, c'est quoi leur problème? Bah, c'est bien. Merci, la vache de fermenter, du coup, hein, pour le sixième mois. Merci beaucoup. Oh, de deux mois, vous n'aurez pas tardé, tu vas bientôt pouvoir changer ton pseudo. Ah bah, voilà. Bon bah... Donc tout ça pour ça, du coup, hein. Cette zone n'a servi à rien, finalement. Je suis un peu déçu. Je suis un peu déçu, en vrai. Bah, attendez à ce que la zone soit quand même plus intéressante que ça. Bon. Bah j'ai tout le chemin à refaire à l'envers du coup puisque comme un con je suis descendu j'aurais pas dû. Du coup j'ai toujours un Oceanara à aller chercher hein. Si elle est là pour mettre un peu de lore, ouais, point du lore. Ouais mais bon. Dommage qu'elle te propose pas un truc ou qu'il y a un objet important à côté d'elle quoi. Wouhou! God damn! T'es un. En mode, c'est une chasseuse de trésor, mais il y a un trésor juste à ses pieds, elle l'a pas vu, tu vois. C'est demain! Let's go.
Ouais, elle est là, je crois. Je crois que la salle pour Osanara, c'est là. Du coup, j'étais attiré par point d'interrogation, mais non, du coup, point d'interrogation, ça n'a rien à voir. Ouais, c'est ça, faut que je passe par là, ouais. C'est ça. Oh, le Tateru. Tateru, c'est marrant parce que vraiment, plus t'avances dans le jeu, moins tu le vois, ce Temtem. Ça montre que c'est vraiment un Temtem de début de jeu, quoi. D'abord. Allez. Je crois que c'est là directement. Hein. Ouais, c'est ça. C'est là. C'est là qu'on a des Oceanara. Enfin, c'est là où j'en ai eu la dernière fois. C'est-à-dire il y a littéralement 2 semaines. C'est la recherche la plus optimisée pour trouver des Oceanara. Oh. Bon bah écoutez, après objectif hein, pour la team, du coup maintenant c'est objectif team 100% l'humain. Hein. Faut qu'on devienne un salaud qui se balade avec son humain aussi maintenant. Hein. Pas le choix. Hein. Ça marche comme ça. Hein. Faudra voir comment ça se passe, ouais. S'il faut que je cherche... S'il faut que je... Enfin, quelle méthode sera la plus intéressante à faire. Tu as une idée tout court? Non, juste une team de Luma. Pour l'instant, une team de Luma. Bah, si je pouvais avoir Grumpère en Luma, je t'avoue que je serais heureux. Mastiwan aussi, ouais, parce que le Mastiwan Luma est incroyable. Oh... Mais après ouais je sais pas trop ce que je pourrais prendre. Faut voir. Ah ouais faudra que j'affronte les archidressors de toute façon. Hein. Mais je me demande si les affronter ça me donnerait pas un objet complètement pété. Du coup c'est la peine si j'ai envie de le faire maintenant. Parce que j'aimerais le faire en dernier, en même temps j'ai envie de le faire en premier parce que je me dis que la quête pour buter les archidressors ça peut être une quête qui donne un objet complètement pété. T'as déjà spoilé Grumpère Luma? Pas encore, non. Ah, Oceanara, voilà. Allez, on va le bombarder de Theme Card. Aïe aïe aïe! Pas besoin de taper, bah ça va faire mal tout seul au fur et à mesure. Salut Popro. T'es responsable et tu viens d'avoir un appartement. C'est vrai Popro? Incroyable! Incroyable, bravo! Bah, vous avancez, moi je reste là à vous divertir quoi. Mais bon, si vous êtes. Si vous êtes heureux dans votre vie, c'est le plus important. Hein. Et si vous l'êtes pas, bah écoutez, ça arrivera un jour. Hein. Faut pas perdre espoir. Hein. Ah oui, c'est vrai qu'il y a l'objet qui augmente les chances de capture. C'est vrai, je l'ai mis sur Kazuma. C'est vrai ça. C'est vrai que tu dis ça, ce que tu dis là. Une bonne nouvelle. C'est vrai, Romu. Ah. Dis-moi cette petite nouvelle, c'est quoi. C'est vrai que ça avec le trèfle à 4 feuilles, ça marche mieux bizarrement. Hein. Ah, j'ai rien dit. j'ai rien dit, j'y ai cru. Et ça, avec le trèfle à 4 feuilles, c'est peut-être mieux, quoi. Toujours pas pour ce tour. Bam, bim, bam, boum. Toujours pas. Non mais je ne tape pas. Ah mais au pire, non mais Romu, marque-le sur Discord, je veux bien que tu veux pas en parler en stream. T'inquiète pas.
Mais marque le moins sur Discord que je puisse lire quoi. C'est bon, c'est ça rentre hein, du coup. Hein. C'est pas celui-là mais c'est celui d'après. Let's go. Océara s'est chopé. Une bonne nouvelle. Maintenant on peut sortir et aller donner ce Oceanara à la personne qui le voulait. Peut-être d'abord fouiller un petit peu plus la grotte. Il y a sûrement des trucs que j'ai pas fait. Notamment ça je crois. Parce que c'était trop long, j'avais la flemme de le faire. Me connaissant ça doit être ça. Ah je pense que ça va nous amener en haut. En bas de l'entrée il y avait une zone justement qui était en hauteur qu'on pouvait pas atteindre. Je pense que ça nous amenait là du coup. Ça devrait être logique. Il y a des belles autos. Eh bien, continue de creuser. Quoi? Des belles autos, des belles autos, c'est... ils n'existent plus, mais t'en as quand même qui sont encore dans la grotte à attendre là. Ah les pauvres, on les a même pas prévenus quoi, t'imagines? Les pauvres ils sont plantés là depuis 8 ans là, on leur a rien dit. C'est triste quand même. Hein. Ah d'accord, ok. D'accord. D'accord, je le vois au mieux. Bonne chose alors. Ah, une nouvelle défaite pour le clan Belzotto. Nice. Après c'est comme tout hein. T'as plein de gens qui... Bah. Ah, le 7ème de la journée tiens. T'sais, t'as plein de gens qui vivent dans une grotte hein. Et là du coup c'est pas... C'est... Oui, du coup la blague est bonne aussi parce que du coup ça marche puisqu'ils sont dans une grotte mais Mais legit y'en a qui vivent dans une grotte hein. Parce que l'histoire du jeu elle est bien. L'histoire du jeu c'est qu'il y a des méchants, faut leur tabasser la gueule. Sans trop spoiler, c'est un peu ça l'histoire du jeu. Et le jeu est très bien. C'est Pokémon mais avec du plus. C'est comme Stardew Valley. Stardew Valley c'est Animal Crossing mais avec plus. Donc c'est ça. Temtem est à Pokémon, ce que Animal Crossing est à Stardew Valley. Enfin, Stardew Valley, ce que... Oui, bref, vous avez compris. Mélanger les deux, vous avez compris. Yo. Eh, hey, chut, approche, en silence. Pourquoi? Les ennemis, juste un peu plus loin. Tu n'as pas envie qu'ils te tombent dessus, ils ont des Temtem. Oh, j'ai déjà buté. Ah bon? Ah ouais? Vraiment? Bah, je les ai affrontés au fort souvent. Minute, mais alors tu dois être Jimmy Bois, Sophia m'a parlé de toi. En tout cas, je ne dois pas vraiment avoir de conseils à te donner, je suis parfaitement capable de prendre soin de toi. Bah n'hésite pas à me donner des objets sinon. Hein. Ah c'est Just Nivière pour le 21ème mois. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Pouette, 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 c'est un point. Ah bah attends, on va lui casser la gueule. Ah bah ça va, bah, c'est non mais c'est logique après. Et qu'on arrive là-haut. C'est ça. C'est ça. C'est bien ce que je pensais. Un Charles Tenwins, Tenwins. Charles Tenwins. Oh, j'ai plein de stickers à coller. Hein. J'en ai plein. Hein. C'est vrai que ça va plus vite si je fais ça en vrai. Je vais péter la gueule lui. Juste pour. Voilà. Parce que j'ai une quête à monter et voilà. C'est un peu du lynchage gratuit mais bon c'est comme ça. Bon j'imagine que tout va bien si elle a accepté que tu passes. Code 9. Pas grand chose, j'ouvre l'œil, ok il reste quelques traînards et j'attends que le dojo envoie les renforts. Et type en bas, tout ce que je sais c'est qu'ils sont arrivés la semaine dernière et un peu de temps après les cavernes se sont effondrées. Vu que les ingénieurs d'Arizola ont réouvert les cavernes, nous sommes tombés sur quelques traînards en bas, ils sont hostiles et refusent de se rendre. Allez, fie-toi. D'accord.
C'est juste un QG là-haut, genre Hop là. Désolé l'ami, mais tu peux pas aller plus loin. Mais on t'a demandé quelque chose ou pas, meuf? Genre vraiment, elle s'incruste comme ça, genre. Ok, bon bah. Bah tu prends comme ça, hein. Hop. Je vais te les bousiller très rapidement. T'es tu pourras même plus t'en servir. Là, le piradial, même s'il est KO, il a tellement pris cher avec la foudre qu'il a cramé, genre. Autant le mettre sur le barbecue, ça ira plus vite, hein. Allez, ouf. Eh, c'était pas nécessaire, j'essayais juste de t'avertir, mais j'imagine que tu te débrouilles mieux que moi. Pas moi qui l'ai dit, hein. Elle a juste eu un peu, voilà, elle a acquis de conscience, quoi. Hop là, ça c'est à moi, ça. Deux entités. Et comment vous êtes arrivé jusqu'ici? Je suis téléporté. Ouais, c'est ça. Il paraît que certains Temtem ont la capacité de se téléporter, mais vous ressemblez pas du tout à un Temtem. Vous êtes où ici? D'accord. Ok. Donc il y avait que ça en fait. D'accord. Eh bah c'est une bonne chose de fait. Hop, on peut se barrer. J'ai pas plus à faire. Je peux même me TP en fait. Je sais pas pourquoi je me fais chier. Autant utiliser ça. Il y a un peu de temps. Bien. Alors, pour l'histoire des stickers, est-ce qu'il faut que je les colle pour aller voir la meuf pour la quête, ou est-ce que juste les avoir comme ça suffit? Je vais voir. On va aller discuter avec elle, on va voir ce qu'elle me dit. Ah, septième ou huitième? Le mât que je croise aujourd'hui. On va voir. Salut le gameux. Déjà 35 stickers, je vois que tu as attrapé la fièvre des collectionneurs, Jimmy Bois. Let's go. Des blocs de construction. Un jeu amusant jusqu'à ce qu'on se mette les pieds dessus. Augmente la défense de 4% à chaque tour. Ok. D'accord. Et pour que ça, je pense à petit cœur. Tu vois mon scooter là-bas? J'ai un modèle. J'ai conclu. Ah, c'est comme ça qu'on a le scooter, c'est en terminant les stickers. Oh ouais. Ah ouais. Ah ouais. Oh là, avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Alors là, si on me promet un scooter, moi c'est oui. Moi c'est oui à 100%. Oh, let's go. C'est vrai que j'ai pas de moyen de transport, moi. Malheureusement, on va dépenser d'argent pour avoir un Temtem qui me transporte, donc bon. Si je peux avoir un T-Max. La voiture bonbon, c'est un scandale. Hein. Bon, où est-ce qu'on va se rendre en premier? Autant que je me rende à Properton. Hein. Bah, qu'est-ce qu'il fait là? On va être parfaitement honnête, j'étais bien loin de m'attendre à un pareil traitement. Il était comme moi, forcé à travailler avec ses mains. Comment va votre vie depuis que vous avez quitté le plan des oiseaux? Je dois reconnaître qu'elle est bien moins chic, on m'apprend à parler comme le peuple et c'est véritablement aisé. Vulgaire, bien évidemment, mais peu à peu, je sens que je me rapproche du commun des mortels. Très bien. Salut Marjo. C'est parti de l'équipe maintenant, Jimmy Bois. Le narval est prêt à partir. Parce que partons. Faudra que je vois pour débloquer. Bah du coup, cette île-là, peut-être qu'on la débloque en butant les archidresseurs. Faudrait que je focus les archidresseurs, en vrai. Je sens que buter les archidresseurs, ça va donner une étape en plus dans l'histoire. Enfin, dans le jeu.
Ah ouais, bon, est-ce que je peux y aller avec mes 4 thèmes là? En vrai, je pense que oui. Enfin, je pense que je pourrais. Quoi, vous voulez que je vous dépose quelque part? Nous y voilà, où est le restaurateur de stickers? Vous pouvez pas lâcher le morceau, on dirait. Ma collection de stick thèmes est plus importante. Ah, d'accord. Comme je le disais, je suis qu'un simple coursier. Je n'ai jamais rencontré le restaurateur en personne. Alors je ne sais ni où il est, ni qui il est vraiment. Qui me donne les colis alors? Il devient très paranoïaque lorsqu'il s'agit de sa vie privée. Il doit suivre des instructions très précises. Les colis doivent être récupérés dans différentes cachettes à Arbury. Et jamais le même qu'une fois à l'autre. Parfois sous un rocher, parfois sous un arbre creux. Cette semaine, je dois récupérer un colis près d'une vieille caisse à Lockburg. Elle devrait être sur la jetée près du lock. Si vous y alliez, vous pourrez peut-être apercevoir quelqu'un la déposer. Très bien. Et ben, on va très vite aller faire ça, du coup. On va très vite aller faire ça, et on va passer du coup ici parce que j'ai une quête à rendre. Et je sais plus ce que je dois faire pour cette quête. On va aller voir. Bon, j'ai pas donné le OCRA. Le OCRA, c'est à Tukma. C'est à Tukma qu'il faut le donner. J'arrive pas à croire que j'ai oublié le formulaire de demande de bourse, encore. Dolores, machin, m'a dit que vous aviez une partie en cours. Oui, c'est vrai, tu veux te joindre à nous? J'adorerais. Dans ce cas, tu y es, nous jouons chez Macha. Tu sais où elle habite? En fait, non, c'est où? Sa maison se trouve à l'ouest de la ville, c'est elle qui a le plus jardin avec les roses devant. Il faut vraiment que je fasse une partie de TET là? J'ai que ça à foutre? Pas le temps en fait. Du coup, j'ai une quête à faire là. J'ai une nouvelle quête là-bas, merde! D'accord. Et j'ai une quête à aller faire là-bas. Bon. Sachant que comme vous pouvez le voir, pour aller à Lockburg, c'est la croix et la bannière. Bien que je pense que si je passe par là et que je passe par en dessous le château, je pourrais ressortir là et aller là. Et il faut que j'aille ouais, du coup au dojo parce que du coup notre figure maternelle s'y trouve. Ah, j'ai moi, qu'aimez-vous cet honneur? Cherche Ena. Oh, elle m'a rendu visite il y a peu. Elle m'a dit qu'elle voulait changer de vie. Vous savez, faire quelque chose de plus intéressant maintenant qu'elle était à la retraite et que son enfant avait quitté son nid. Je pense qu'on la trouverait à l'université. Putain, mais merde. Ah, Terra me donne un truc de fouet là, hein, je te le dis. Hein. Elle va me le filer ce radar Gali, je te le dis moi. Elle va me le filer. Hein. Ena, tu es là? Oh! Elle est là! C'est une prof du coup. Ah. Oh, tu es là! Moi qui pensais que tu avais trop à faire. C'est bon de te voir, au revoir mon petit Jimmy Bois. Je me suis fait du sandoc, un sandoc pour toi. Mais pour moi, mais pourquoi donc? J'ai entendu dire que tu as vécu des aventures rocambolesques aux quatre coins de l'archipel. Et c'est vraiment pour moi que tu t'inquiètes. Mais ça, je suis simplement venu passer des vacances à Arbury. Tu étais maîtresse de dojo? Oui, c'est vrai que je t'en ai jamais parlé. Ma mère était maîtresse de dojo aussi. Je me souviens de la pression que mes pères et les aînés ont mis sur mes épaules pour l'égaler. Mmh. Je voulais pas que tu connaisses la même chose. Si tu t'intéressais au dressage de Temtem, je voulais te laisser faire. Si c'était pas le cas, eh bien, c'était très bien aussi. J'ai toujours désiré que tu choisisses ta propre voie, Jimmy Bois. J'ai jamais eu l'envie de vivre à travers toi. Oh. J'espère que je ne suis pas trop mal sorti. Tu es un grand dresseur de Temtem maintenant. Ouais. Ça, Max m'a raconté la dernière fois, tu es ma vie maintenant, tu es ta vie maintenant. Ma vie, voilà. Oh. J'ai jamais eu le temps d'étudier la thémologie sérieusement, j'avais de la pratique mais jamais aucune théorie. C'est quand même con. J'ai pris le temps d'explorer ça officiellement à moi les bancs d'école. Mais puisque tu es là, faisons quelque chose que j'ai jamais eu l'occasion de faire ensemble. Alors vraiment, il y avait 800 mecs devant et j'ai même pas fait gaffe qu'il y avait un combat. J'ai même pas fait gaffe. Elle va me casser la gueule du coup. Hein. Oh, le Temtem niveau 100 là. Ouais, je les sens, ouais. Petit Temtem niveau 100 là. Oh, mais ça va. 99, 4. Quoi? Mais je suis pas prêt. Je suis pas prêt. Bon, très bien.
Donc là, pour prendre un exemple, c'est comme dans la deuxième génération, tu te balades. Tu vois un dresseur qui te ressemble. Et en fait, c'est Red. Et en fait, tu affrontes son Pikachu niveau 100. Et tu comprends pas ce qui se passe. Là, c'est littéralement ce qui se passe. C'est-à-dire, je vais aller la voir en mode tranquille. Et là, elle me sort ça, quoi. Elle va me sortir des monstres qui sont plus forts que le combat contre le, contre le gars de fin, quoi. Mais l'armure lourde, d'accord. J'étais en mode par contre, bon, sur un x2, prendre que ça en dégâts, il y a vraiment un problème, quoi. Mais du coup, non, non, c'est normal. Enfin, normal. Alors, par contre, du coup, alors Shaolin, il a pas assez pour me finir. Soit il me termine et il se fait mal et je l'achève. Attends, d'ailleurs, on va faire ça. Soit il va se passer autre chose, mais quoi, j'en ai aucune idée. Ok, on tire Taifu, logique. Kinyu. Très bien. Oh mais vas-y, elle a que des trucs qui boostent. D'accord. Donc il... Ok. Donc son Shaolin va se faire mal du coup, parce que bah... Étant donné que ça coûte si peu. Ouais, logique. Je lui ai fait zéro dégâts, genre, c'est... Je lui ai fait zéro dégâts. Ok. Bon, moi de base j'étais en mode c'est bon, j'ai fait le plus chiant, mais finalement non. Hein. Non, non, il me reste encore beaucoup à faire. Ah bon, bah. Ça me va aussi, hein. Ça me va aussi. Du coup, je regrette encore moins d'avoir fait cette attaque. C'est bon, il est vraiment son truc, il a armure lourde, il est imbutable, machin. Un Menhir et Quasar ? Bon, c'est pas vraiment un dragon. Hein. Bam ! Oh ! Wow ! Pardon, excusez-moi. Ça va retirer les deux. Ah, pour toi, c'est un Rayquaza, ça ? Il ressemble à un Rayquaza pour toi. Ah ouais ? Ah peut-être avec la couleur et la petite queue derrière, ouais peut-être. Bon, Tena elle veut pas me sortir plus hein. Elle veut pas me faire découvrir son... ses secrets hein. Oh non. Ah ça va. Ah quoi, ça fait x2. Ok. De toute façon, je comptais pas le changer pour l'instant. Scaravolt, d'accord. C'est un peu relou en vrai. Ah, c'est pas le Scaravolt qui retire la moitié de sa vie, donc d'un côté ça rassure. Ok. Finalement, elle a pas envie. Elle a pas envie de mettre Scaravolt, du coup, je me suis dit, bon, je vais le changer finalement. Ah bon, en vrai, mettre un type feu devant deux types roux, en vrai, c'est intelligent. Hein. De Kaylan. Ah c'est intelligent hein. Oh. C'est quoi Mescaravolt? Joue bizarre le bot, enfin le, ouais. Le gameplay de Hena, je comprends pas trop. J'ai du mal à comprendre le gameplay. Là mon chat. Là mon chat. Hop. Et hop. Ah bah tu fais bien. Tu fais bien et en vrai j'aurais dû prévoir une attaque de type feu au cas où. J'avoue. Parce que du coup là il va tanker les deux. Ah, ok.
Bien vu. Bien vu, mais je tank. Revigorant complet. Et toi, tu vas te heal finalement. Ça va, mon petit chat? Ah, le bot, il sait pas trop quoi faire. Hein. Oh non, tu sais pas, toi, non, c'est trop chiant, ouais. C'est dégueulasse cette attaque, hein, quand même. Hein. C'est vraiment des arbres qui se libèrent et qui lâchent de la résine plein partout, c'est dégueulasse. Ah, c'est pour ça qu'elle est plus chef d'arène, hein. C'est parce qu'elle a fait n'importe quoi. Hein. Ah, évidemment, ça switch. J'aurais dû faire un truc de haut, je le savais. J'aurais dû faire ça. Là, je pense. Parce que je pense que je vais focus Raikkonen au prochain tour là. Je pense qu'elle va switcher. Du coup, je vais faire séisme quand même, mais elle va switcher. Même maintenant prévoir quand elle va switcher, mais bon. Malheureusement pour elle, j'ai fait une attaque plus efficace. du coup, il reste ça, Raikkonen et le truc. Bah, en fait, j'ai. Oui. Il reste deux types feu qui vont prendre tarif, quoi. 96. La bœuf. Et un tsunami, puisque les deux vont prendre cher. Mais j'en bute aucun. Heureusement, Grumper est là pour ramasse. Hop là, le x4. Et oui, tu pourras plus switcher maintenant. Et le feu ne fait rien. Est-ce que tu restes Edgin, ouais. Ok. Quetzaleno. Bah, j'ai souffert, hein. Oh, je pense que c'était cette attaque, mais elle était puissante, hein. Waouh. Salut, Jobir. Bah, il y a un an, je sais pas où c'était le endgame, donc je peux pas te dire, malheureusement. Parce que j'ai pas de comparatif à faire parce que j'y jouais pas hier, non. C'est un peu le problème. C'est quoi ce Pokémon de Wish? Voyez le chat. C'est déjà la deuxième personne qui le dit aujourd'hui. Et je vous dis que les gens n'arrêtent pas de dire que c'est un Pokémon Wish. Vous voyez? C'est pas pour être méchant avec les gens, c'est que bah du coup les gens ils arrivent, ils voient les premières images qui sont. Les premières images du jeu qu'ils voient, ils sont en mode ah c'est du Pokémon Wish. C'est triste quoi. Mais bon, c'est comme ça, hein. Malheureusement on peut pas faire grand chose maintenant. Hein. Tu te débrouilles mieux que moi à ton âge, je vais te montrer une petite astuce. Cette technique super rapide inflige seulement 42 dégâts, mais l'utilisateur R1T au prochain combat. Au prochain tour. Quoi? Je suis pas peur de ce que tu as accompli, j'en ai la larme à l'œil. Allez, laisse-moi mes leçons et va fêter ça avec tes amis, j'ai pas envie de pleurer comme un bébé en cours. Let's go! Du coup, Eina est là, ok, très bien. Après, Jobert, c'était quoi pour toi le endgame il y a un an? Du coup. Parce qu'au pire, si tu me donnes des infos, peut-être que je pourrais t'aider, mais. Autrement, je pourrais pas trop. Déjà, Oriver, explique-moi pour toi ce que ça veut dire un Pokémon Wish, du coup. Puis après, je t'apporterai des éléments de réponse. C'est quoi pour... Ça veut dire quoi pour toi que c'est un Pokémon Wish? Bah ouais. Autant que tu m'expliques ce que ça veut dire pour toi un Pokémon Wish. Parce que si ton argument c'est bah ça ressemble à Pokémon, bah je te dirais que Pokémon n'a rien inventé et que Pokémon était déjà une copie d'un autre jeu. Ou d'une autre licence. Donc Pokémon était un jeu Wish d'un autre jeu du coup si on prend ta logique. Vu que Pokémon n'a rien inventé.
Oh, le 9e. L'humain qu'on croise. C'est pour ça que c'est dommage quand les gens jugent un jeu par rapport à une image et qu'ils cherchent pas à chercher à avoir plus d'infos. Parce que c'est pas parce que le jeu ressemble à un autre que c'est forcément un jeu à une version Wish. Dans ce cas là, autant dire que Call of Duty est une version Wish de Metal of Honor ou de Battlefield en fait. Parce que ça... Avant Call of Duty, il y avait Metal of Honor et bizarrement personne n'a jamais dit que c'était une version Wish, tu vois. Mais bon. Pareil, hein. J'ai oublié de quel jeu. Il y en a eu plein. Digimon a existé avant Pokémon. Il y a plein d'autres jeux sur d'autres consoles, mais je t'avoue qu'après, j'ai pas tous les noms parce que bah, c'était des jeux japonais à l'époque. En tout cas, Pokémon est loin d'être le premier jeu de ce type. Très très loin de là. Bam, boum, bim. Oui, c'est vrai que oui, du coup c'est comme dire que Roblox est une copie de Minecraft, c'est vrai. Oh sa mère. Bah coup de tonnerre hein. La façon de gagner de l'argent c'est de capturer et de relâcher les temtem. Bah écoute, je vais à peine de finir l'histoire principale, moi je veux bien donc je pourrais pas t'en dire plus. J'ai même pas encore l'histoire des appartements, enfin... Si la maison si, je crois que je pouvais avoir accès mais j'ai eu la flemme de le faire. Mais je vais à peine de finir l'histoire si tu veux. Donc après le endgame, bah je sais pas, écoute, y a un espèce de passe de combat si tu veux, enfin c'est... Y'a ça maintenant, je sais pas s'il était déjà à l'époque, avec des défis hebdomadaires pour avoir des thunes. Tu peux, t'as des trucs à débloquer au fur et à mesure. C'est ok. Après niveau pognon, bah je sais pas, y a l'hôtel de vente y était quand tu jouais il y a un an. Donc après j'en connais pas assez, ouais. Ah, c'est ça que je peux jamais par là. Bienvenue, la forêt de Green Glen vous plaît? Vous êtes gardien? Oui, ça suffit, on s'en fiche, allez. Pas de jeu, bah maintenant il y a un HDV, voilà. Il y a un HDV où tu peux revendre et acheter des temtem. Donc ça peut être une façon de faire de l'argent. Si t'as des bons temtem avec des bonnes stats que tu veux revendre, tu peux. Hop. Je sais pas ce que je ferais. Pour le coup... Ok, si je fais ça et ça, c'est suffisant. Ah, tous les dresseurs que j'avais pas affrontés parce que je voulais juste terminer l'histoire. Maintenant ils sont là et il faut les tabasser. Non mais écoutez, pour cette histoire de... Des gens qui disent que c'est un Pokémon Wish, bon bah écoutez c'est... C'est des gens qui jugent un jeu par les graphismes et pas... Et tout, c'est tout. Donc, bon. C'est dommage mais bon c'est comme ça. Hein. Faut se battre, hein, rien à foutre. Hein. C'est juste dommage. Non c'est pas... Ouais mais faut que je l'affronte je crois. Choper un Goron moi. J'aurais chopé un mais je suis pas sûr. Non j'ai pas chopé.
Du coup, on va tenter. Hop. D'accord, et t'as le nom de cette quête, Tinou, ou tu sais ce qu'il faut en faire, comme ça moi je... Comme ça moi on casse pas tout. C'est vrai que du coup oui, si ça peut bloquer, bon, autant éviter. Ah, si seulement Gaxir, si seulement hein. Non mais on a déjà parlé tout à l'heure, dit que maintenant c'est... C'est le monde actuel qui veut ça, que les gens préfèrent critiquer et dire du mal plutôt que... De réellement chercher à savoir si un jeu est bien ou pas. Enfin, si un truc est bien ou pas. C'est... Le monde est comme ça. Faut faire avec. Construction du pont. Ah bah je l'ai pas encore celle-là du coup. Ah c'est genre une quête pour reconstruire le pont à Kiziwa. Possiblement, de ce que j'en comprends du coup. Ok. Bah je... Ça faudra jamais à Kiziwa de toute façon. Oui c'est ça Skull, ça sert à rien de partir sur un débat là dessus de toute façon. Hein, ça va, vous arrêtez de me casser la gueule là. On n'a pas fini hein, si on parle là dessus. Hein. Bon c'est pour ça. Hein. C'est juste triste mais bon fait avec. Hein. Bon sérieusement là va tomber, faites gaffe. Ah ok. Et lequel? Ah oui, celui t'as présenté ta pioche. Oh. Et Gorong. Bah j'ai déjà Gorong du coup, donc pas besoin. Let's Gorong. Grimpeur a un HP du coup à cause du passif, ça me fume. Voilà des chanterelles. Ah, il est très belle en plus. Let's go. C'est bon, je peux la ramener là-bas? Ouais. Y'a quoi là-bas du coup, ça m'intéresse. Vu que maintenant on est en full balade. Ça m'intéresse de savoir ce qu'il peut y avoir là-bas. À part d'autres combats de dresseurs évidemment, mais bon, ça c'est autre chose. Voilà un beau panier de champignons, vous êtes là pour eux ou pour vous battre? Pour la baston! Ah mais Temtem vont battre les vôtres haut la main, je les nourris exclusivement de champignons. Ah mais d'accord, mais c'est... Alors je pense ce qui sera niveau 5. Je pense ce qui va être niveau 5. Oh bah c'est fou cette histoire, il est niveau 100, what the fuck mec. The fuck, j'ai réussi à prévoir. Bizarre cette histoire. Aïe. Bizarre le bail. Et du coup ouais, donne des champignons à son monstre, à son Temtem champignon du coup oui c'est... C'est comme nourrir une poule avec des œufs quoi, c'est... C'est un peu barbare. Oh vache. Après plus cher. Voilà. Hop là. Ce bruit. Très bien, je vais vous aider alors. Bah déjà, arrête de faire du cannibalisme. Déjà. Je suis spécialisé dans les chanterelles, eh oui. C'est pas un oiseau ça. Les chanterelles, revenues dans du beurre avec des échalotes, c'est délicieux. Ou alors dans un potage, d'ailleurs c'est la saison. Tenez, j'en ai cueilli quelques-unes, sentez-les. Ah donc j'aurais pu venir ici pour en avoir des... Notre go stimulante. Ah faut vraiment envie de se stimuler beaucoup quoi. C'est plus une stimulation là à ce point là avec une noix de coco mais bref. C'est compliqué. Bon on a même fini l'histoire pour te dire.
On a même fini l'histoire. Maintenant on fait les quêtes secondaires. On farme les quêtes secondaires. Zbouin. Je pourrais mettre des max repousses pour éviter les combats, mais je me dis on sait jamais. Vous savez, je suis toujours dans l'attente d'avoir un Temtem, donc Inch. On essaye, on espère. Oh, le 10e luma de la journée qu'on voit. Et après on osera me dire que les lumas c'est rare. Bref. Hop. Ah non. Mensonge. Je sais, sache que vous n'êtes pas les bienvenus ici. Mais non, mais putain, mais j'ai pas envie de vous battre. Mais bordel, j'ai plus de vie en fait. Oh. Bah non, complicance, hein. Bah non, non. J'attends que ça, hein. J'attends que ça. Bordel de cul. Bon, bah on va se... Il est là, qu'est-ce que je te dis. Pas chaud, hein. J'avais pas prévu d'affronter quelqu'un, moi. J'en ai eu deux en 30 Temtem hier. Ah, bravo, alors. Moi j'ai rien. Moi j'ai rien, on me crache dessus. Moi je vois plus de Temtem que je n'en. Enfin, je vois plus de Luma que je n'en. Jamais je n'en aurais donc. Non, bon. Je fais zéro dégâts. Hop là. Très bien. Benjamin Souplex. Ça sert à rien que je fasse ça parce que du coup ça va pas être efficace. Dans le doute, on va faire ça. Et on fait ça. Ok. Ça c'est fait. Pas beaucoup de dégâts pour le pour la gueule du truc hein. Bam. Voilà, c'est ça. C'est pas fou. Mec, j'y ai stylé, ouais. Allez, on va y arriver. Ok. Oh merde, il n'y a plus de vie! Ah, il s'est buté le con! Ah bah on en a, ouais d'accord, Team Charognard. Nice. Allez shérif, ça dégage. Salut Ardadeos. Oh non, c'est un outrage envers la loi et les traditions locales. Ah parce que la tradition locale c'est de te faire casser la gueule par le shérif, c'est ça? Bizarre les traditions locales. En fait, j'aimerais juste aller à l'auberge en fait. Genre vraiment, depuis tout à l'heure, je perds mon temps contre des dresseurs, j'en ai rien à branler, je veux juste aller à l'auberge en fait. C'est ça l'enfer. C'est ça l'enfer de cette histoire. C'est que vraiment, moi je veux juste aller là-bas en fait. Et depuis tout à l'heure, je me fais maraver, je rencontre 800 monstres. Pardon, pas un seul Eluma, bordel. C'est une chance sur 7500, d'accord, mais quand même. Un peu de respect pour ma personne. J'en demande trop, je pense.
Je mange un bon trop. Tintin, tu veux casser les murs, les casser. On va y arriver. Allez mon pote. Allez fonce. Si je croise un dresseur que j'ai pas affronté, je suis dans la merde. Hein. Bon, c'est le 11ème Luma que je vois aujourd'hui, mais je crois qu'il y a un petit problème. Hop, je vais rendre la quête, en même temps en ressortant je prendrai l'autre. Oh, j'ai sorti dès que vous avez mis les pieds à l'intérieur. Ok, le doux parfait, riche et subtil, ils sont magnifiques. Si des mal à cueillir, ça vous connaît, Jimmy Bois. Si ça vous intéresse, je pourrais faire de vous mon fournisseur officiel. La prochaine fois, j'irai me heal. Parce que du coup, là, je suis dans la merdasse. Dans la vraie merdasse. Parce que je n'ai plus de boom pour me heal. Je vais devoir utiliser des stratégies. Parce que là, c'est vraiment la merde. Aïe, 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 aïe. Je peux que survivre avec ça en fait. Je n'ai que des revigorants complets, je n'ai pas mieux. Donc en fait je vais devoir les laisser crever et je devrais acheter des heals plus tard, mais du coup ça va me consommer des systèmes pour rien. Et ça me rend fou. Ça me rend vraiment fou. Ah bah c'est bizarre, quoi, j'ai mon Mastiwad est décédé. Ah je vois, je comprends pas en vrai. Oh, je ne comprends pas trop pourquoi, mais bon, bref. Péter un truc, hein. Faut être honnête, hein. Faut avoir cassé un truc au bout d'un moment. Au moins pour se détendre, quoi. Hop. Et du coup, on va utiliser un revigorant complet pour Mastia. Putain, mais je dois gaspiller mes revigorants. Quel enfer. Oh, et l'autre, il fait peste, la merde. Ah. J'en ai pas attrapé en fait de d'arachnite, je pensais l'avoir attrapé. Et en plus plus on avance plus ils sont au niveau ces trucs. Je le sens vraiment pas. Et les deux sont pas efficaces mais c'est pas grave. Faut que Gazuma il puisse... Attends. On va faire ça et ça. Faut que Gazuma il lâche une tornade pour dégager celui-là. Bam. Ça c'est bon ça. Ça c'est mon Gazuma. Let's go mon brah. Bon ça va bien se passer, c'est juste que bon je suis un peu deg de gaspiller des systèmes pour ça quoi. Ça qui me fait un peu suer quoi. Mais 95. Ouh. Ah bon bah c'est... Well. Ah mais attends, mais j'ai encore des restores tout, non? Enfin des Putain, j'en ai plus. Oh, j'ai plus rien. Oh, je peux me heal avec des pommes de vitalité? Et encore? J'ai pas mieux? Ouais. Écoute, j'ai pas le choix. Que je te dise. Pas vraiment le choix, hein. Écoute, on va faire comme ça. Oh, là, c'est, la... Oh, c'est la misère, hein, mais. C'est vraiment le combat qu'il ne fallait pas, quoi. C'est vraiment le combat qu'il fallait pas. Super, c'est pas grave. Mais je veux pas envie de perdre, en fait. Ma dignité, merde. C'est... Oui, c'est pas grave, mais j'ai pas envie de perdre pour par dignité, quoi. Oh putain, du coup, il crève. Hmm. Ni.
Nick. Nick. Vas-y, go tabasser lui là, c'est bon, m'a saoulé. Allez. Le Fulfi là qui fait que one shot mes trucs, c'est bon. Allez, dégage. Oh la vache! Mais j'ai aucune envie de perdre, bordel! Aucune envie de perdre, putain! C'est bon, il reste que le Mouchouk. Gazuma va lâcher une grosse tornade. Parce qu'il va survivre, j'y crois à mort. Allez. C'est bon. Elle aurait eu un mob de plus, j'étais mort. Mais surtout, bordel, je viens rendre une quête où je ramasse des champignons et je me fais agresser par une meuf qui a 5 trucs, dont un truc niveau 95, merde! J'admets, vous mettez mieux la calette que moi, c'est ça, victime. Baisse les yeux, surtout. Donc dans mon coin, le coin des cueilleurs vaincus et défaits. On fait pas attention à elle, le Jibibois, elle adore se donner un spectacle. Bon, ma récompense, non. Ah oui, la récompense. Avant que je mette ça au fond, voilà pour vous. Ok. D'accord. On va maintenant direction à la cuisine. D'accord. Bon bah. Bon. Bon bah très bien. Bon on va quand même profiter pour acheter des items parce que bah du coup j'ai plus rien. Hein. Ah là plus de thunes. Ça va vite hein. Ok, du coup ici il y a une quête à récupérer. Bienvenue à l'auberge du Minox Frenga, vous avez soif, feigne, sommeil, un trade et mettez-vous à l'aise. Ça rentre ces Minox. Ah vous avez l'œil, sachez mon ami qu'ils ne sont pas des Minox ordinaires. Ah non, ma famille, quoi? Ça vous êtes... Oui. D'abord, tout d'abord il me faudrait une selle pour monter l'une des braves bêtes. Vous en trouverez dans les écuries en printemps cette porte. Je suis allé un peu trop vite mais bon. Ça n'a pas l'air adapté à ma morphologie. Je vais en prendre une plus grande. Celle-là? Vous avez l'équitation? Quelle question, tout le monde adore ça. Que puis-je faire pour vous aujourd'hui? Cette selle est trop petite. Eh, voyons voir. Tournez-vous. Effectivement, il faudrait la taille au-dessus. Au plus, j'en trouve une. Commander une selle neuve prendrait une éternité. Si vous connaissez quelqu'un avec le même gabarit que vous, vous pourriez l'emprunter. Eh, j'ai une idée, mais ça va pas vous plaire. Plutôt, ça va pas lui plaire. Je sais. Qui peut avoir des fesses à la hauteur de les miennes? Mais qui peut avoir des fesses à la hauteur des miennes? Puis ne répétez pas ce que je m'apprête à dire, mais je suppose que certaines Lady Romanescu qui a Properton et qui a des proportions adéquates, je crois. Donc elle a un gros boulard, quoi. Je vous aurais prévenu, hein. D'accord, donc en fait, on a un gros boulard et apparemment, il nous faut une selle pour gros boulard. Bon, bah écoute. Ce serait mentir de dire que. Que. Voilà. C'est un honneur de dire que j'ai un énorme boulard. Car c'est vrai. Et quel boulard. Et quel boulard. C'est mal à la taille du boulard. Passons par le château. Passons par au-dessus dans le château. Je pense que pour revenir c'est plus rapide. Enfin c'est. Pour aller faire l'autre quête c'est plus rapide. Lui il a été abandonné je crois du coup. Parce que s'il est encore là c'est qu'il a été abandonné lui encore. L'ultime crime du clan Belzotto. Le fameux. Ah bah c'est... Écoutez, on a vécu ça nous aussi, hein, c'était donc bon. Je comprends votre douleur. Non. Non. Ah, le 13ème luma qu'on a croisé. Non, 12ème, pardon, 12ème. C'est le 12ème. Voilà. Rapide pour aller à l'Ogboard comme ça, quoi. Nion, nion, nion. Du coup ici on devrait trouver du coup une caisse pour nous donner des indices
sur le restaurateur. Hop, mais j'ai dit hop, hop en fait. Voilà. Tu veux ça ? Avant qu'il fasse tomber son jouet. Lockeburg. Voilà l'endroit où Augustin doit récupérer les colis de ce mystérieux restaurateur. Est-ce que ce sont des traces de pas dans la boue ? Elles mènent à cette maison, sur la jetée ? Ah bon ? Ça, tu les vois où, les traces de boue ? Bon bah écoute, on trust hein. Elle vous connaît pas, j'ai rien à faire, j'ai affaire, sortez de chez moi. C'est un restaurateur de Seeker ? Je ne suis pas. Ouais, et puis à quoi bon ? Je savais que ce jour finirait par arriver. Très bien, j'admets, je suis un restaurateur. Mais j'attache bien trop d'importance au respect de ma vie privée pour pardonner si facilement à une intrusion comme celle-ci. Oh, un combat. C'est étonnant ça. Oh, ah, il va avoir tous les types de tu. Oh non. Il va avoir tous les types de... Oh, il va avoir tous les types de toucan. C'est pas possible. Oh, il se fout de ma gueule. Hop là. Ah, il va avoir tous les toucans, ouais. Hop là, deux en moins en tout cas. Ça commence bien. Il y a la voix et des lunettes en scénario, bien sûr. C'était facile à prévoir, ouais. C'est facile à prévoir. Du coup, c'est quoi ça? C'est Pugila et... Ça, je dirais que c'est Cristal. Donc, non, Cristal, c'est le vert. Ça doit être terre, celui-là. On va faire ça. Oui, l'histoire est finie, ouais. C'est sûr, ouais. A-I-A-E-I-E. Ok. Ah, ça, c'était rien. Tac et tac. Très bien. Catch de Tetsu. Hop là. Aïe, ou aïe. Ah, ça me tue. Du coup, il y a quoi à 100% dans le jeu? Bah le Dex, toutes les quêtes secondaires, tous les succès, puisqu'il y a des succès sur le jeu. Rien que ça, déjà c'est pas mal. Après, si tu veux te motiver, tu peux faire des trucs en classé aussi, puisqu'il y a du classé. Mais bon, déjà moi si j'arrive à faire le Dex, les quêtes secondaires, et tous les succès. Et oui, mais les autocollants ça fait partie, oui, ça fait partie des succès aussi. Les autocollants, j'ai compté dans les quêtes secondaires. En gros, oui, c'est ça. Il y a beaucoup de choses à faire en tout genre. Il y a beaucoup de choses à faire en tout genre. Si j'arrive déjà à faire tout ça, je vais pas te mentir, je serai content. Après, bon, on verra. C'est après tout ce qui est classé et tout. J'avoue que ça me tente pas trop. J'avoue. Ouais, du coup, le tout le camp pour terminer. Non ! Non ! Non ! Ah, oui, il a 800 fois. Et c'est gagné. Ah, vaincu sur mon propre toit. Ok, cherchez-vous, juste. Vous voulez emparer ma collection de bottines vintage, c'est ça? 3000 balles, putain, bien. Tout à fait, compliquance. Bon, mais trouvez, vous savez vous battre. Mais pourquoi est-ce que je devrais vous faire confiance? J'ai des références, vous savez. Je connais plein de gens chez Créma, putain. Là. Tristesse. Mais encore, en d'autres termes, qui vous envoie? Firae? Ah bien, Wabitel. Arisola?
Ouais, c'est Woodlit. Et quelle est la couleur de ses cheveux? J'en ai aucune idée. Bah les cheveux noirs, bien sûr. Et la première chose que l'on voit sur la côté, ce côté gauche en entrant chez elle. Mais quoi? Une peluche. Quelle est la vitesse de pointe d'un paro adulte? Un paro qui s'évanouit, on n'a plus rien. Ah, je sais pas. Je ne vous connais pas, je sais pas pour qui vous travaillez, je n'ai aucune raison de faire confiance partez maintenant. Merde. Ah, attends. Qui vous envoie? Comment elle s'appelle? Attendez. Je pense que je peux avoir cette cette quête. Putain, mais c'est ça le téléporteur, c'est ce truc là en fait. D'accord. Quête. Non putain, même si ça ne parle pas. Putain, j'en ai aucune idée. Oh, ça va durer 800 ans, j'en ai rien à foutre. Dommage. On pouvait tenter le call comme ça. Feria. Où habite-t-elle? À Briscale de Mar, du coup. Ouais, non, en vrai, elle habite pas. Parce que si... Parce qu'en vrai, elle habite... On dirait qu'elle habite vers où, plutôt? Parce qu'elle est entre les deux, donc... Arisola, je dirais. Ses cheveux, ils sont... rouges. Et comment t'as une peluche? J'ai un peu le seum, parce qu'en vrai, là, c'est loin quand même hein, pour y aller. Hein. Comment elle s'appelle, la meuf qui nous donne la quête des stickers, putain? Fahari peut-être. La campagne. Si vous le dites, quelle est la couleur de ses cheveux? Noir. Un bouclier. Oh, Firae, Arisola. Blanc. Une épée. Oh merde. Ah, ils aiment bien faire ça dans le jeu, ça m'en fout. Hein. Attendez, je vais réfléchir. Est-ce que je me spoil? J'ai un peu la flemme de retourner juste à Denise pour aller la voir et noter tout ce qu'il y a chez elle, quoi. Donc, bon. Ça fait beaucoup de trajets pour pas grand chose, quoi. Ça ajouterait une demi-heure, quoi. Bon, allez, hein. Temtem, resto. Restaurateur. Réponse. Je suis faible. Je suis juste faible. Je vais pas réussir à le trouver. Je vais pas réussir à trouver le poste. Qui vous envoie? Putain, mais. Je sais pas. Bon bah allez, envoyez-moi les réponses si vous les avez. Soit pire le... ouais. De toute façon... non, parce que, comme dit, hein, je pourrais aller chercher les réponses. Hein. Mais bon, ça nous rajouterait une demi-heure parce qu'il faudrait que je parte à Denise. Que je rentre dans sa maison. Que je note son nom. Sa couleur de cheveux. Et que je refasse le chemin jusqu'ici. J'avoue que... cette deuxième phase surtout ne me donne pas envie. Ah, j'ai trouvé. J'ai trouvé, c'est une vidéo mais c'est pas grave.
D'accord. Non, me suis trompé. Allez, cheveux blancs. Ouais, c'est une vieille dame, c'est vrai. Ok, c'est trop chaud en vrai, ouais, le. La réponse, mon pote. Bah, du coup, j'ai fait sans ta réponse, Tino, mais bon, bah, parfait. Bien, vous semblez bien connaître Feira, je dois reconnaître que c'est une collectionneuse, respectable et respectueuse. Elle n'est jamais venue me harceler, contrairement aux autres. Je vais lui rendre un petit service, prenez ceci en gage de bonne foi. Ah, j'en ai deux du coup maintenant. Alors que voulez-vous me demander? Vous avez également une collection? Ah, j'ai moi, je suppose que vous avez des stickers à me montrer. Oui, on va parler stickers. Oh non, concentrez-vous, j'ai moi, j'ai besoin de deux stickers identiques. Ah ok, bah il m'a rien, tu m'as rien expliqué frérot, donc Ah ça par contre, ça prendra qu'une minute. Let's go. Let's go. Ouais monsieur, allez on me répare tout ça monsieur là. Avec le sourire surtout hein. Oh la collection qui va exploser là. Oh la collection qui explose. D'accord. Oh la collection qui explose. À partir d'où on aura d'autres. Ah merde. Alors, j'ai l'impression que j'ai réussi à... J'ai skip un dialogue parce que du coup... Mais bon, tranquille. Scarouette. Voilà. D'accord, let's go. Dracache. Je crois que j'avais déjà Dracache, mais bon, c'est pas grave. Le Inky, let's go. Small Z. Smazzy, je sais, j'en ai 3 du coup maintenant. J'en ai 3 des Smazzy, ça devrait le faire. Hop. Chieschmunch. Ok. Sans Sanbi. Ok. On va avoir du sticker à coller après. Hein. Y a pas des jeux, des œufs que je voudrais faire moi. Parce que, au pire, je fais des œufs en même temps que je fais les stickers, mais je sais pas ce que faudrait que je fasse. Faudrait que je réfléchisse à ce qu'il me faut. Grand-mère, je l'avais déjà. C'est pas grave. Laisse là, mais je l'ai déjà. On va le faire quand même, c'est pas grave. Cabis. Je l'avais pas. Quel grand moment de gaming quand même. Je vais refaire un deuxième. Bon, flemme. Adoroboros. Je l'avais pas. Puis on va y aller comme ça sera plus simple. Hein. Allez, reste en bois celui-là, vas-y, hop. Zzz. Ok, va te mettre, let's go. Zzz. Charles tête. J'allais trop vite parce que si je remonte, c'est con. Kinou. Hop. Eh ben on va en avoir du sticker à coller mes salauds, hein, moi je vous le dis. Hein. Oula. Le volcan Anak. Bon, si avec ça j'ai pas le scooter, je comprends pas. Hein. Ulvir. Let's go. Comment voulez-vous que je n'ai pas le scooter avec tout ça hein. Franchement, je comprends pas moi. Les cavernes d'Aguamerina. Oh mais j'en ai tellement, bon dieu, mais c'est incroyable. Cadeau Sipanqui. Enele Copensosium. Qui aime l'argent. En même temps c'est un artiste.
Cromlech. Je l'ai pas raté. Non, je crois pas. Giuseppe Zadari. Zut. Patinage sur cristal. Let's go. Zut. Maritime d'eau, que j'avais déjà, en beaucoup d'exemplaires. Et le premier câble, et je crois que j'ai tout après. Je crois qu'après j'ai pris tout ce que je pouvais faire. Non, ça. J'ai fait oublier Siazevi. Et ça. Putain, le nombre de merde, bordel. Donc une option de tout faire au trier par double. Ouais, bah. Malheureusement, il n'y a pas, hein. Ah, Naolin aussi. Eh bah, j'en ai raté quelques-uns en fait. Maritemdo, j'avais déjà fait. Ah, il bosse vite en plus, hein. Ça, du coup, je l'avais déjà. Et je crois qu'après, c'est bon. Ouais, c'est bon. Eh bah, franchement, j'en ai plus 60 là. Là, j'en ai plus 60 en vrai. Là, c'est bon. Salut Lume. Bien qu'il fait le jeu. Ouais. À donf. Maintenant, on part sur le 100%. On part sur le 100% maintenant. Bon, maintenant que je suis ici, il va falloir que je reparte là. Donc, on va essayer de passer par là en espérant. Ah, mais il y a tout ça là-haut aussi, c'est vrai. Ah, non, mais non, quoique là-haut, non, c'est Cromlech. Et en vrai, il n'y a pas grand chose à fouiller. Mais bon, j'ai quand même beaucoup de chemin à faire parce qu'il faut que je fasse ça. Je suis déjà fatigué. J'ai même pas commencé à faire le chemin, je suis déjà fatigué. Oh, on pourrait passer un petit temps pour coller les stickers quand même. Hein. Ouais, les stickers, je vais les garder quand on fera des œufs. Ça nous fera un truc à faire. De toute façon, faut pas forcément les coller pour que ça compte, donc... Donc c'est pas... Enfin, ça me va, moi. On va juste déposer ça parce qu'on s'en fout un peu. Hop. Stickers. Ok. De toute façon, je pense qu'on va terminer les quêtes arborées que je peux faire et ensuite on ira vite fait voir, hein, parce que. Oh, la petite moto quoi. Oh, le petit scooter. Petit scooter trop stylé. Ah, les Mawala. Les Marwalaou. Ah, les salauds. Bah, ça va le faire. De toute façon, si je peux faire aucun combat, je fais aucun combat. Mais bon, je pense qu'il y a un moment où j'aurais esquivé un dresseur que j'aurais pas dû et... Et je serais nickel comme ça, mais bon. Eh ben, tu as vachement progressé. Ouais, ça je le savais, mais... J'arrive un peu sur l'eau. Tout ça pour un babawa en plus. C'est même si je veux pas faire forcément des œufs pour les chromas, enfin pour les luma pardon. Il faudra que j'en fasse pour certains temtem hein, qui se font sûrement que en eux. Genre le petit de Sparzy. Je pense qu'il se fait que en eux. On verra. Mais au moins j'aurai des stickers pour m'occuper. C'est la JDS. Ouais, il y a plein de trucs qu'il faut que je ramasse, hein, je sais, hein, mais... La flemmasse. Bon, déjà, on est à Cromlech. Bonjour. Avez-vous réfléchi à mon offre plus que généreuse? C'est vrai qu'il y avait un Garrounder. C'est quoi déjà un Garrounder, j'ai oublié. C'est une évolution d'un truc, mais je sais plus ce que c'est. Bref, pas le temps. On fait des quêtes secondaires, nous. Non, celle-là, c'est une quête secondaire, certes, mais je sais pas, Garrounder. C'est le T-Rex, mais je l'ai jamais eu. Ça va être compliqué, je l'ai jamais eu.
J'ai jamais vu d'endroit où on pouvait l'avoir, donc je le verrai plus tard. Hein. Du coup oui, le mammouth et tout ça je les ai vus, mais par contre ouais, le T-Rex... Alors là... C'est lequel ton tenu préféré? Bah c'est celui qui me suit quoi. C'est une perle rare quoi. Oh, quelle belle journée Isla, quelle belle journée. Quelle belle journée en effet. Ça va, on a qu'un seul, mais il va être niveau 100. Non, niveau 95 je dirais. 90 Pouah, ah oui, c'est vrai qu'on dort. C'est vrai qu'on est en rompiche. Voilà. Attends, Grumper de base c'est un type terre et quand il évolue devient terre électrique. Un des pires types du jeu j'ai l'impression, donc franchement, insane hein. Ah oh, non, je me débrouillais aussi, si je me débrouillais, c'est bien vous à votre âge, mais bon, ouais. Ça, c'est ça. C'est ça, Isla, c'est ça. Oh, le 14e Luma de la journée qu'on croise, il me semble. Bon ça va. Ça va, ceux qu'on croise ils sont... Ils ont qu'un seul. Donc 80... 90 du coup. 92. Bah ouais, bon, ma gueule hein. C'est pas le 12e, bon je sais plus. Je sais plus. J'essaie d'oublier pour ne pas faire un craquage mental. Bon. Peut-être que c'est le 12e, le 13e, le 14e, on sait plus. On sait plus. En tout cas, ça fait beaucoup. En tout cas, j'en ai vu beaucoup aujourd'hui. 88 grand-père. Vous savez pas mon chou, portez ce que vous voulez. Ouais, bon, ouais. Ah. Ah. Qu'est-ce qu'on voit là-bas? Le 462e de la journée. Comment les gens ils font pour avoir des... Ah, le... Ok. Bon, ça va... bon, là on va dire que c'était le 14e. Là on va dire que c'est le 14e, comme ça au moins on dépasse pas trop. Ah oui, la partie. La partie de TET. Et voici notre retardataire comme toujours. T'inquiète pas, c'est un classique des RPG. Très bien les amis, c'est parti, vous nous attendez la dernière fois. Ensuite j'ai... Ah, pas en dessous, mais oui j'ai oublié le manuel à la maison. Donnez-moi une seconde, je vais le chercher et... Je l'ai dit, moi, l'expérience, elle est pensée, j'ai bien de l'aide. Et il faut combien pour augmenter mon niveau de l'entomologie? Eh bien, c'est un peu compliqué, ça dépend de. Eh, mais moi, tu peux aller chercher mon livre pendant que je l'aide? J'ai mis juste à côté. Et je gagnerai de l'XP pour cette quête secondaire. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Me dis pas que les parties dans le club des pecteurs. S'il te plaît, Jimmy Bois. Allez, putain, on est là. On est vraiment le roi des. Le roi des rois des canards, quand même, hein. C'est vraiment. Allez. Ah moi elle a pas peur hein. Un mec elle a à peine rencontré, elle lui demande d'aller chez elle pour récupérer ses affaires. Ah, comme toujours, déjeuner est prêt pour les prêts et la mansarde, elle m'entend pas. Bonjour, vous êtes une amie de Dolores? Je suis seulement à la recherche d'un livre. Oh, vous devez jouer avec elle à ces jeux de rôle, je croyais que vous deviez jouer chez Marsha, tous ces cris et ces semblants de combat m'ont distraite. Vous savez où se trouve le manuel de TET? C'est un travail qui donne faim. Vous voulez un encas? Eh bien, puisque vous me proposez aussi gentiment, un petit encas me ferait plaisir. Lilith! Bah oui, tu m'emmerdes. Tu le sais maintenant au bout d'un moment. Hein. Faut vraiment que j'aille chercher à manger là, d'accord. Ok. Oh, visiteur, vous êtes là pour voir Amélia. Elle voulait des encas. Ah, elle envoie aller chercher pour elle, la madame. Très bien. À l'instant, je vous prie le temps de préparer quelques toasts. C'est grave quand même.
T'imagines, t'as quelqu'un qui arrive chez toi, tu lui fais tu vas me chercher un truc à bouffer en bas parce que j'ai la flemme. Bon. Portez-la avant que Madame la Duchesse ne s'évanouisse. C'est grave par contre. C'est grave cette vie hein. C'est grave cette vie hein. Pur étranger, tu rentres chez les gens et les gens te disent tu veux pas descendre chez moi dans mon frigo me chercher à manger. Ça a l'air délicieux, allez hop. Oh non non. Oh je sens déjà le goût du glucose joué dans mes veines. Oh le voile devant mes yeux se dissipe, le contour de tous les objets se redessine, je peux me mettre à lire. Le livre ? Ah ouais, le manuel, tiens, celui avec les instructions de... Ouais, c'est... Ouais. Alors voir, je trouve machin, l'air de la manière que je vais dire comment tirer meilleure partie de votre grande velle. C'est pas votre téléporteur. Ça va ? Je peux pas laisser traîner un truc, je ne peux pas laisser traîner un truc. C'est insupportable. Évidemment j'avais toujours 0 d'XP. Ah bah allons-y, allez zouf. Allez les allers-retours. J'ai des gens un peu bizarres qui laissent des étrangers aller chez eux et fouiller dans leurs affaires mais bref. Ah, t'as le manuel, tu peux me le donner s'il te plaît? Bien sûr, le voilà. Bien, on peut commencer, assieds-toi, Jimmy Bois. Tout le monde est prêt? Je peux plus jeter un feu. Voyons ces stats, furtivité 7, acrobatie 6, technologie 9, charisme 2, dag 3, force brute 1, natation 8. Eh bah, clairement, on est très très chaud. En fait, on est très fin. On est très fin, on a un intello et on a aucun charisme. Finalement, un adolescent plutôt classique, j'ai envie de dire. C'est parti. La dernière fois, vous étiez en train de traverser le grand pont de Pigepic en direction du sud, en quête d'aventure. Ah, je me souviens, il y a ma guerrière à la main sur son épée, prête à les gagner en cas où on clombrait sur les swings sauvages, puis pire encore. Le bombarde s'est mis à chanter une jolie chanson sur les exploits que nous avons accomplis et les nombreux qui nous attendent. Lance savoir Musekitan, s'il te plaît. 3. Ok, tu chantes. Il se met à pleuvoir des cordes. Vous voyez à peine l'extrémité du pont Pigepic à travers de la pluie torrentielle. Ah, bravo, Ferron. Le deuxième de test. Je me mets aussi à chanter. Merci pour le soutien. La réflexion, mon armure est en train de rouiller. Dépêchons-nous. Au bout d'une heure environ, vous arrivez à proximité d'un bâtiment qui tombe en ruine. En équilibre précaire, sur la surface du pont géant, on dirait une auberge. En partout les lieux de Crémody, on entre et on s'installe près du feu, je les laisse les armures rouillées. Je commande les spécialités de la maison et je chante pour le dîner. Une jolie balade sur les charmants garçons dans l'auberge. Je me faufile dans les chambres à l'étage, puisque j'ai pas de charisme, donc ça sert à rien que je tente de convaincre. Donc je me faufile dans les chambres. Et voilà, après on dit que c'est moi qui cherche les ennuis. Lance furtivité. Ok, tu réussis à pénétrer dans la chambre sans bruit. Il y a un sac de pièces de cristal derrière le lit, disons 69. Ah, joli. Ah, il est bien plus rentable que de partir à l'aventure. Bref, tu prends l'argent, ferme la porte et redescends discrètement sans problème. Tu te rassois pour dîner avec un air de parfaite innocence. Il ne se passe rien de spécial, Jimmy Bois termine son repas, Ferron gagne quelques pièces et des applaudissements, et un homme en capuche s'approche de Marchand avec un sourire étrange et lui dit « Bonjour, je suis l'honneur de quête locale. » Putain, avec une voix aussi sèche et râpeuse que dans le dos... Quoi ? Avec une voix aussi sèche et râpeuse que le dos d'un Grumvel, il dit « Brave aventurier, j'ai sur moi une vieille relique, une carte qui indique la direction d'un grand trésor se trouvant sur la forteresse connue sous le nom de Fort sous le vent. » Acceptons. Ça a l'air évident, c'est une intrigue importante. C'est moi qui ai le scénario, ok. Alors vous acceptez ou pas ? Ouais, j'ai le boivement, il est d'accord, on a la majorité. Hein. Mais de toute façon, il n'a rien de mieux à faire à nous chercher le trésor. Non, attends, la pluie s'est enfin arrêtée, votre visibilité est quasi parfaite. Vous partez de bonne heure et voyez enfin le pont Pigepic s'étendre dans les deux directions. Infini et majestueux. Tombez rapidement sur la bretelle qui descend en direction du fort sous le vent, gardé par de nombreux gardes de Crémozy. Aujourd'hui, une chanson en honneur du vaillant. Je couvre la bouche du barde avec mon gantelet et lui empêche de chanter jusqu'à ce qu'il soit hors de portier.
C'est avec l'heure de voix. Ah bah c'est aujourd'hui. Tu te rappelles ce qui s'est passé la dernière fois, évitons de nous faire tuer avant d'arriver au Cassio. Et quelques heures plus tard, vous arrivez au bord du lac, au pied de l'impressionnant fort soulevant. Ne se faisant de rien, trois soldats de Crémosis se baignent dans le lac, leur armure et leurs armes posées sur un rocher. Bah, prenons leurs affaires. Ok, vous trois arrivez à piquer leurs armes et armures et partez sans vous faire repérer. Ils ont vraiment fait une quête entière sur ça? Oui, enfilons leurs affaires, comme ça nous ne faisons pas reconnaître. D'ici, vous avez deux possibilités. Vous pouvez nager vers la grotte à pied ou la de la colline, qui selon la carte au trésor mène au cachot du château, ou simplement suivre la route qui gravit la colline jusqu'à l'entrée du château. Oh, on n'a pas de charisme, donc nageons. En plus, on a 8 en natation, donc... Vous entrez dans l'eau et commencez à nager, mais avec votre armure, c'est quasiment impossible. Ça vous prend quasiment 3 jours pour rejoindre sa merde. Pas de 6 endurance. Quoi? Mauvaise idée, et si on essayait la porte? Très bien, vous suivez la route qui mène jusqu'à devant l'entrée, les gardes saluent et vous laissent passer, puis vous portez de l'armure d'officier. Après de nombreux tours et détours, le couloir s'ouvre sur la salle au trésor. Il y a des objets précieux partout, dans le coffre fermé par terre et des tonnes et des tonneaux dans une sorte de mezzanine. Vous apercevez aussi une étrange statue d'un Temtem légendaire inconnu. Alors... Et soudain vous entendez les gardes approcher, ils ont dû vous entendre. Vous n'avez le temps de faire qu'une seule chose. Je prends un maximum de fric. Comment ça Dolores a dit Grama, ok. J'examine la statue. Tu as combien de temtemologie? Ouah, 9. Ok, alors tu identifies le Temtem comme étant un Gigasaku. Une bête préhistorique qui a régné sur ce continent il y a des siècles. Tu scandes alors l'incantation pour ramener la statue à la vie. Oh, en dessous, ouais. T'arrives pas à croire qu'un temtemologie va nous sauver la peau? Les gardes débarquent, ils sont intimidés par l'énorme Temtem. Et vous en profitez pour vous enfuir par le tunnel d'où vous venez. Et c'est la fin de notre aventure. Ok, voyons ce que vous avez fait et comment vous avez assigné vos points d'expérience. Eh bien, le mage de Jimmy Boss s'est vraiment éclaté. Vous n'avez toujours pas pris les bonnes décisions, mais vous avez tous survécu. C'est déjà un exploit en soi. Et bah, j'ai fait une erreur, quoi, genre. Et Jimmy Boss, j'ai bien aimé aller jouer avec toi. Je peux pas te donner d'XP comme Dolores, mais je peux te donner ceci. Mais c'est mon troisième. J'ai 3 de chance. Salut Gabriel, merci pour les 100 bits. Ça va, ça va. Ok, c'est bon pour aujourd'hui, vous avez apprécié cette session, alors j'ai un petit truc pour vous tous. C'est pas grand chose, mais c'est un truc pour vous remercier. Oh, c'est cool ça. Ok, nice. Bah, quête terminée. Je sais pas si tu pouvais avoir une meilleure récompense si tu faisais que des bons choix, mais... Parce que le seul mauvais choix que j'ai fait, c'était dans la flotte finalement. Je me suis dit, j'ai 8 de natation, ça va le faire, mais non, bah, on avait des armures sur le dos, donc forcément. Très bien, bah, je peux aller là, du coup, il y a une petite maison là-bas. Là. Tu l'en avais déjà compté, je crois. Je pense avoir la référence. Est-ce que vous avez la référence? Vous avez la référence de ce personnage ou pas? Lady Romanescu, une robe blanche comme ça, un chapeau... Bon, il manque un détail, c'est vrai. Mais bon, ça reste un jeu dans ce style, quoi. Oh, je n'aime pas l'idée d'accueillir des inconnus sous mon toit. À moins qu'il ne s'agisse de mes très chers invités, bien sûr. Ils ont emporté votre selle d'équitation. Bah, c'est vrai qu'elle a un boulard du coup. Hein. On a vraiment la même taille de postérieur. Ok, l'insolence, vous paierez cher cet outrage. Oh le boulard! Oh le boulard! Oh, on a le même boulard! Ok, ah oh, oui, d'accord, mais putain, mais elle a des boulards, elle a des trucs de ouf! Elle a des trucs de ouf! C'est quoi, c'est mental ça du coup? Donc c'est normal mental je crois. Et normal mental y'a pas grand chose. Bon attends, on va faire ça. On a vraiment la même taille de postérieur. Je pense très belle phrase d'accroche hein, pour quand tu rencontres quelqu'un. On a vraiment la même taille de fion. Ça c'est une approche à la bigarre ça. Je m'attendais à ce qu'elle me sorte des trucs, un des Temtem horrifiques.
Enfin, y a pas beaucoup en vrai. Hein. Rematex. Touk. Avant qu'il décède. Ok. Oh, ça endort. Ah ouais. Mais du coup, je suis réveillé. Oh, ils ont plus de vie les deux. Vas-y, ça. Oh, les dégâts que ça met. Pokémon Fusion, c'était pas des horreurs, c'était. C'est une découverte, quoi. C'est surtout une découverte. Ah, c'est un peu une horreur, ça, en vrai. C'est un peu une horreur. Ouais, ça peut être dit dans le mauvais sens, mais... Ça prend x4, ça prend x4 de l'électricité. Non, ça prend... Si je pense que ça prend x4 de l'électricité. Grumper va se... sacrifier. Ah oui, dans Pokémon Infinity Fusion, c'était des chefs-d'œuvre. Ça, c'est du beau cheval. Très bien. Allez-y. Oh, il est pas mort. Je pensais que j'allais crever, moi. On va mettre Saipat, parce que du coup, les deux, il faut que je les mette. Ah. Donc il va crever en étant dans sa carte, quoi. Allez, boum. Lise. Bastion a été éliminé par hallucination. Ok. Oh putain, le grand-père il a décédé dans le fond là. Hop. Je sais pas si c'est la meilleure idée d'avoir fait ça, mais bon. On n'a pas le temps d'y réfléchir. Et merde. Je pensais avoir le temps de taper parce que normalement Gazuma est censé être très rapide, mais j'ai l'impression que ça m'a... Oh les salauds. J'ai l'impression que c'est un peu à l'inverse en fait. C'est un peu con ce que j'ai fait. Ah, il y a plus de vie. C'est un peu con ce que j'ai fait. J'aurais dû y croire. J'ai utilisé un revigorant complet pour rien du coup. Dommage. Mais au moins les Didymis... Romanescu a été battu. Faites preuve d'une persévérance qui force l'admiration. Il faut respecter ça, mais bon, j'avoue que je me sens plus ce que c'est la voix exactement. Prenez-la, allez-vous-en d'aller seul à la manque. Idéal pour monter un Minus tout en préservant son postérieur. Arrêtez-vous de quitter ma demeure, je n'ai jamais... Quoi ? Vous n'avez jamais été le bienvenu ici. Petit ref au jeu là-haut. Paul du billard. Et comment t'aimes-t-il, ma pitié, il n'y a pas plus stratégique comme jeu que le billard. Oula ! Que le billard, c'est de la pureté mathématique. Des questions de physique et de trigonométrie. Oh le boss. C'est Paul du billard, c'est le fameux Paul du billard en fait, genre... C'est vraiment... C'était Paul du billard. Enfin, qui ne connaît pas Paul du billard après au bout d'un moment... Enfin, faut sortir de sa grotte quoi.
Bon allez, on va aller rendre, on va aller faire la selle, comme ça au moins ce sera fait. Comme ça on pourra se re-TP ici. Et ça ira tout seul. Et ensuite on aura, je pense, terminé la majorité des quêtes qu'on a à faire ici de toute façon. Donc ce sera pas plus mal. Allez on monte. On va se faire aggro plusieurs fois mais bon. Peut-être une fragrance en vrai. Quoique les arrêts, il y a les araignées Non mais j'ai dit que le dex je le ferai après. Peut-être que je le ferai plus tard. Je d'abord me focus sur les quêtes. Oh, il a fait un. Oh, bah c'est le. Combien de celui-là? Le 15ème luma qu'on voit de la journée, du coup. Cool, cool, cool. Hop là. Oh, il y a quelqu'un qui a fini le. On a vu au long quelqu'un qui a fini le pass de combat. Ok. Ok. Let's go. Très bien ça. Ah, le 16ème luma de la journée. C'est bien une bonne. C'est belle. Celle que vous avez là, ces initiales AR. Attendez, vous n'avez quand même pas volé. Vous ne tenez pas la vie, vous. Bref, allez-y. Attendez, parfaite. Bon, maintenant, passez au paiement. C'est combien? Ce que j'ai besoin pour continuer, c'est de faire vivre Seren. Je suis un Minotaur en bonne santé pour pouvoir continuer la production. Plus tard. Allez, on s'en va. Hein. Parce que j'ai pas de Minotaur sur moi. A plus, à toi. Il y avait un monomental, ouais. Ouais, bon, tout ce qui est quête, faut donner des temtem. Bon, je les ferai plus tard parce que c'est un peu un bordel à faire quand même. Allez. Quoi de neuf? Voulez-vous des... On lève l'encre. Du coup, on va aller à Denise et je vais voir si j'ai assez de stickers. J'espère, en vrai. Comme ça, on peut débloquer le Vloom Vloom. Bah, de ce que j'en comprends, c'est pour avoir une monture, Level 5, mais bon. C'est ce que j'en comprends. Ça serait logique. Parce qu'on lui donne une selle, machin. Donc bon. Ou que ATM, c'est pas un truc dont j'ai. Enfin, c'est pas un truc que je recherche. Elle a un intérêt cool, la Mount. Bah, ouais, bah écoute. Faut que je fasse un Minotaur, quoi, c'est ça le problème. Et Minotaur, je pense que c'est la dernière évolution de la famille. Évidemment. Donc faudrait que je fasse un œuf de ça. Et je le mets le multi XP en combat, mais bon. C'est du travail. C'est du travail et tout. Salut la bio. Ah, j'en ai pas 60. Putain, quel dommage. Ah, quel dommage. J'y ai cru, en vrai. J'y ai cru que j'avais les 60. Comme quoi. Ah. On va en Omninésie. Ce que j'ai décidé. C'est belle, Felosia. Belle, belle, ouais. Je sais que j'ai une quête facile à rendre ici. C'est celle-là. Et bah, vu qu'on y... Ah. Il y a une quête là-bas. Vu qu'on y est, en vrai, vas-y, go faire l'œuf de Mintle, et puis voilà. Quand t'as découvert Temtem? Il y a 2 ans, quand c'était la hype, et qu'il y a la bêta qui est sortie, et qui m'a refroidi parce que les serveurs ne le tenaient pas. Du coup, bah... du coup, bah, je l'avais acheté il y a 2 ans et j'y avais jamais joué. Mais je me suis dit, de toute façon, que j'étais en mode, un jour, j'y jouerai. Et ce jour est arrivé.
Et comment j'y ai... Bah oui, je pense que j'avais entendu parler, oui, voilà, à l'époque, il y a 2 ans que c'était live, quoi. Arbury. Commande qu'il y avait du remue-ménage là-bas, que s'est-il passé? Une forêt entière a pris feu. Quel drame, un véritable signe, un symbole arburien qui s'envole, à moins que cela ne rende l'endroit encore plus attractif. C'est un super séjour dans une auberge. 50 ! 50 ! Ah ouais ! Ah ouais ! Eh ben merci Alphelosia pour les... Ah non. Ah c'est bon. Merci pour les 50 ! Merci pour les 50 subs offerts Alphelosia. Merci beaucoup. Merci infiniment. Merci pour le soutien. C'est fort gentil. Merci, merci infiniment. J'ai visité... j'ai visité les égouts. Ça a l'air répugnant, j'adore. Pour la DAX, ça y est, je veux dire, nous avons... Ouais, machin. C'est un plaisir. En tout cas, ça prend de risques pendant un moment, machin. Et... Je suis plutôt fauché pour le moment, pour être honnête. Je veux quand même un cadeau pour vous. Voici ma couverture de doudou. Non, pas... Oh, la phrase de fils. Oh, bah, ta couverture qui pue là. C'est pas une couverture ordinaire, ma mère me l'a acheté lorsque j'ai échoué pour la 7ème fois mon épreuve d'admission au dojo. Elle m'a dit que ça m'aiderait à m'améliorer. Couverture du couar. Une couverture révolutionnaire qui permet à toute l'équipe d'obtenir de l'expérience en combat. Oh, c'est le multi XP. Ah, c'est le multi XP. Ah, ça fait plaisir ça en vrai. Ça y est, on va pouvoir faire XP toute la team. Fini ces histoires... Fini ces histoires de galère. Maintenant, on va pouvoir faire XP tout le monde. Ah, c'est bien ça. Ça, c'est bien. Bon, allez, on va faire un petit œuf de... On va faire un petit œuf rapidos pour la quête. Il faut encore avoir des stickers en même temps. Aïe aïe aïe, je vais avoir mon CDI. C'est vrai? Ah, félicitations, Félosien. Nice. Le petit CDI. Eh ben, ça fait plaisir en vrai. Si tu es heureux. Si ton travail te va. Franchement. Je peux demander plus finalement. Le premier, ce sera Mintel. Avec Mimint. Voilà, comme ça on aura un Mintel. Bon, les stats on s'en fout un peu. Hein. On veut juste voilà, avoir un œuf, comme ça il sera niveau 1. Pour le faire évoluer, ce sera plus facile. Bon bah on lance ça et puis bah en attendant on va coller des stickers. Hein. Ah, des stickers à poser. Bam. Alors. Sur la première page, j'ai ça. Ah, peut-être y aller avec ça en vrai. Voilà. Smarzy, il est à côté, je pense. Encore ouais. Smarzy. L'évolution. Ouais. Attends. Siyaro, j'ai pas. Saku, j'ai pas. J'en ai tellement à coller, mon dieu. Oh, la merde. Ça, la musique aussi. La musique ici est agréable, ça va. Alors. Loali, Uchik, machin, j'ai pas tout ça. Raise, machin, non, j'ai pas tout ça. Un grand pas, machin, j'ai pas. C'est la baleine, je l'ai, je crois. Ou la baleine, justement. Non, j'ai la. Ah, si, c'est bon, ça. Voilà. Puki Piranian, machin. Platimou, je l'ai. Non? J'avais pas réparé le sticker.
Ah ouais, j'ai pas, pas. Bah ok. Surfa Denise, machin, tout ça, j'ai pas. Reine des Abysses, ça, ah, ça attend, hop. Hop là, la famille complétée, let's go. Ah, Henricus Pensimum, je l'ai. Hop là. Reine des Abysses, machin, tout ça, j'ai pas. Naolin, je l'ai. Voilà. Ensuite, Giuseppe Zadari, je l'ai. Calabis, je l'ai. Hop. Ouais. Hop. Ça se passe, ça se passe. Salut à Seb. Les hauteurs Kilima, c'est... Je l'ai pas, ça, je crois. Non, c'est pas ça que j'ai. Lord Flancombet, je l'ai pas, je crois pas. Ah, attends, mais je l'ai le surf à. Le surf à Denis, je l'ai en fait. Hop. Ça, je crois pas que je l'ai. Ça, je l'ai par contre. Ah, si. Drakesh, je l'ai. Enfin, Drakash, pardon. Hop. Hop. Sasaya, je l'ai pas. Daiko, le Daiko Sipanki, je l'ai. Daiko Sipanki, je crois que je l'ai, si. Non. J'ai menti. Si, c'est ça. C'est ça. J'ai pas menti, j'ai pas menti. J'ai pas tout ça. Le Bondi Rush, j'ai pas. Cernef, machin. Le Fremlinésien, je l'ai, non? Non. Spriol. Boum. C'est pas son pseudo, c'est pour nous pas. C'est pour nous. Quoi? Je pense pas, mais je préfère faire création. Oui, je sais, tu en as un choix, on en a déjà parlé. Hein. Alors écoute, pour certains, pour certaines personnes, des fois j'aime bien dire d'une autre manière. Puis si les gens sont pas contents, bah, c'est pareil. Non, mais après, si ça dérange vraiment, faut le dire, hein. Bien sûr. Non, mais. Bon. Ah, le Lowelling rose, rose machin, je l'ai. Là. J'ai dit là. Ok, le premier câble, je l'ai. Hop. Le volcan, il devrait pas être loin. Le fort sous le vent. Non, j'ai pas le fort sous le vent. Roller, je l'ai. Hop. Dernier chic, machin. Le grand bagnat. Patinage sur cristal, je l'ai. Boum. Kinyu, je l'ai. Pas. Si. Si, je l'ai. Les hautes herbes, machin, non. Focus, Mithy, Sabi, bah j'ai les deux. Bam. Inky, je l'ai aussi. Hop. Smolzy, bam. Nesla. Ok. La Cénote, c'est pas ce que j'ai. Non, c'est pas ce que j'ai. Les mines de mi-clan, non. Momo, Charlitama. J'ai pas Charlitama. Non, j'ai pas Charlitama. Par contre, j'ai Charles Temp Twins. J'ai tout son combat, machin. J'en ai raté tellement, mon dieu. Le volcan. Le BG, j'ai pas. Attends, ça par contre. Ah non, bon, je l'ai. Hop. Let's go. Les mines d'Aqua. C'est là. Donc c'est long à faire cette œuf en plus, putain vache. Je regarde si on a le truc parce que. Alors. Mais. D'accord. Ah.
Le 17ème... Non, le 16ème Luma, pardon. 16ème Luma qu'on voit d'aujourd'hui. Enfin, qu'on voit aujourd'hui. Cool, bien sûr. Toujours cool à avoir des Lumas. Surtout qu'on a demandé. Alors... Alors, j'arrive à trouver tout ça, ça va être compliqué, hein. Alors, Catherine Pemberton, j'ai pas... non, t'es fou et Dodi machin, grand pas, Vulvir. Ok. La pêche au pavillon, c'est pas ce que j'ai? Non, j'ai pas la pêche au pavillon. Yuki, Piranha, Nukuma, j'ai pas tout ça. Reine des Abysses, j'ai pas. Minotaur, Fumu, machin, j'ai pas. Ozuka et machin, tout ça, Koren, machin, j'ai pas. Non, ça j'ai pas. Les hauteurs Kilima. Non, moi j'ai. Non, c'est pas ça que j'ai moi. Capitaine, j'ai pas. Saipat, machin, tout ça, j'ai pas. Non. Sasaya, je l'ai pas. Claire... Ah, Brocolem. Hop là. Bam. Voilà. Non. Bondi Roche, Tukman, Docteur Kalamani, c'est pas ça. Scara machin, il est là. Les scènes de Turquesa, ça non. Grand-père, le fort soulevant, maître de dojo, Nala, non. Non. Le dernier chic, non. Non. Ah, si, ça. Hop là. Ok, ça commence à le faire, ça commence à le faire. Machin, hautes herbes et tout, non. Putain, mais j'en ai raté plusieurs là. Hop. Allez, il m'en reste pas beaucoup. Là. Hop. Cromlech, la cénote. Cromlech. Hop là. Non. Forcément, je les ai ratés les deux derniers monstres. Bah, même la mise en soi, je l'ai raté aussi, hein. Il me semble que je l'ai l'évolution du serpent, je l'ai l'évolution, faut juste que je le trouve et je le mets à côté. Ça se trouve pas du tout hein, mais... C'est compliqué hein, ces trucs hein. C'est compliqué hein. Putain, mais c'est où? Je suis aveugle, sa mère. Mais même la mise, j'arrive pas à trouver. Je suis tellement aveugle, c'est. Ça en devient gênant. C'est. Là, bon. En page 2. Ah oui, en effet. Bien vu, 2 secondes. Les 2 secondes étaient suffisantes. Mais hey, j'arrive pas à savoir où elle est. Ah, Orphil, il est là. Hop. Et du coup, il me reste que la miss. En plus, elle a un nom qui est reconnaissable. Elle a un nom qui est reconnaissable. Ah, mais non, c'est pas elle. Putain, secours. Mais putain, j'arrive pas à la trouver. Elle a un nom qui est reconnaissable, mais j'arrive pas à voir son nom. Non, c'est pas ici. Pas ici non plus. Non. Non plus. Non plus. Non. 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 C'est pas ça, ça y est. Non, c'est pas ça, ça y est. Non. C'est pas elle. J'arrive pas à trouver.
Mais ça devient grave par contre là. Ouais, je suis passé dessus 800 fois, je sais bien. Et j'arrive pas à trouver quand même. Ah mais non mais c'est... Putain à chaque fois je pense que c'est elle, mais c'est pas... Putain c'est pas Charatema putain. Ah mais c'est Taïn putain, c'était pas Jevin. Au secours, secours. Oh. C'était pas Jevin. C'est pas si compliqué. Hop là. Merci. Alors où est-ce que l'œuf a atterri par contre? Ah oh, le galérien de ses grands morts. Mintle, hop. Allez, let's go. En plus, il est rapide à faire. T'as quand même été à bosser, j'arrivais pas à voir. Ah bah, c'est pour ça alors. Alors du coup, ici, je suppose que c'est toujours la même chose, puisque ici, c'est libérer des Temtem. C'est ça. Ah, des tickets d'un... Ah, c'est quoi les tickets d'incubateur d'ailleurs? Est-ce que c'est un truc pour mettre un œuf et ça... Ah, le 17ème de la journée. C'est... De l'argent, c'est gratuit. Bah, c'est un jeu vidéo, comme la majorité des jeux vidéo, c'est des. Ça coûte quelque chose, quoi. Et je suppose que c'est un truc à utiliser si tu veux one shot, enfin, si tu veux que l'œuf il éclos direct. J'ai pas besoin maintenant, ouais. Bah, moi, ça explique pourquoi j'ai galéré. Parce que c'est la page que j'ai moins, regardé, justement, ouais. Il y a une quête à récupérer là-dedans, là. Mm-hmm. Ah, t'arrives à point nommé. J'allais justement envoyer quelqu'un te chercher, Jimmy Bois. J'ai besoin de toi une nouvelle fois. Puis pour vous, Madame la Présidente. Mm-hmm. Te souviens-tu que lorsque mon discours durant la deuxième congrès de l'archipel, j'ai promis d'organiser les travaux de reconstruction après les dégâts causés par le clan Belzotto? J'y consacre le plus clair de mon temps en ce moment. Mm-hmm. Ils ont décidé de commencer par Kiziwa. Ah bah, c'est ça, du coup, la quête avec le pont. C'est une décision aussi pragmatique que symbolique. En tant qu'un agent spécial du congrès de l'archipel et vétéran de la bataille du Uru, nous aimerions que tu ailles sur place pour participer au projet hein, et appuyer sur l'initiative. Bien sûr. Bien dit. Donc c'est ça la reconstruction des ponts, c'est ça la quête qui bug. Allez, let's go, on va la faire alors. Allons faire la... Quoique, attends. En vrai, l'œuf il va bientôt éclore. Par contre, on est d'accord que c'est un... Il est en petite pause là. Ah non. Autant pour vous, Mathieu. Eh, mon cher, ouais. Un truc qu'on peut aller faire vite fait. C'est un truc qu'il va falloir que je farme pas mal. C'est farmer du. Farmer du Mimit. Parce que Mimit, c'est le métamorphe du jeu. Donc en vrai, s'il y a un monde où on chope un Mimit avec des stats de Beisei, il y a un monde où c'est insane, quoi. Mais bon, ce monde n'est peut-être pas si proche. J'allais reprendre le Océara et on va aller à Tukma. On va aller à Tukma et je vais aller faire quelques quêtes là-bas. Oh, vivement le téléporteur, putain. Vivement le téléporteur. J'entends qu'on n'est pas allé à Tukma en plus. Je dois avoir plein de quêtes à rendre là-bas. Peut-être là-bas qu'on a le téléporteur justement. On verra. On va bien voir. Oh, la VOD qui dure 2h20. Allez, on cut.